Salut les amis, du coup on se retrouve pour Alone in the Dark, troisième vidéo, et on est à la suite de notre game liée. On va pouvoir se concentrer sur l'acte 3, finir la discussion avec ce genre. Et du coup. Perlin. Alors du coup, là on peut aller que tout droit. Un passage. Poisson. Il manque quelque chose. Parfait. Ça fait flipper le statue comme ça. Non ? La grande bibliothèque. À récupérer un livre. Pas qu'il y a quelque chose d'autre à récupérer. On va pouvoir monter. Au pire, on a un passage de ce côté-là. Tubercules. C'est qui celui-là? Pourquoi fait-il une vestige de pile crack? Ça fait flipper un petit peu.
Je rappelle un petit bouton dans mon nez, c'est mal. On va passer là-dedans, non ? D'accord. Mal démasqué. Les munitions. Ok. Pour repartir de l'eau. Bon, faut pas rentrer en contact avec lui. Ça nous a fait un point de sauvegarde. C'était pas ouvert, on était. Là, il y a le bâtard. Ah, il m'a fait flipper.
là, il y en a que tu cul. Mais j'ai pas réussi. Faut que je trouve un moyen. T'es là-dedans. Regardez là. Pour pas accéder à la carte. Mettre la carte. Il n'y a rien à récupérer. C'est pendant cet automne chaud que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées. C'était une sorte de forain itinérant qui se produisait dans les salles publiques et suscitait une crainte généralisée. J'ai oublié l'adresse de l'événement à la Nouvelle-Orléans, mais je me souviens que la Prext Shipping Company avait insisté pour apporter sa contribution. Hey ! On va pouvoir avancer. Dieu merci, vous êtes là, détective. Assise toute seule dans un endroit comme celui-ci, j'en entendrai parler jusqu'à ma mort si la presse en avait vent. Ah. Rose, c'est ça ? Oh, ne faites... Alors, déposez-moi la Nouvelle-Orléans. On point échapper à l'homme ténébreux. Et on a trouvé un nouvel objet de collection. Il faut d'allumettes. Ok. Prext Shipping Company. D'après le livre que j'ai trouvé à Daroeia, l'homme ténébreux est lié à un spectacle auquel Jérémy a assisté, quelque part à la Nouvelle-Orléans. Je suis sûr que je peux trouver l'adresse. On peut rentrer ici. Environ. Oh. Une bébête devant nous.
Il brille. Son, cartouche de mitrailleuse. Ok. Et ramasser l'arme. Je pense pas qu'il y ait autre chose par ici. Je sais pas où je dois aller. On va y aller. Qui ? Elle est fermée à clé de l'autre côté. Peut-être trouver un passage. Y a rien. Bâtard. Quoi ça? Quelqu'un. Il doit y avoir un autre. Docteur Anver, quel numéro ? Ok. Dans le système d'égout, il y a un tunnel qui passe juste sous la Prext Shipping Company. Je parie que je peux l'utiliser pour m'y introduire. À l'intérieur. Et là on a une échelle. On est à l'intérieur. Y'a rien. Pas des clés. Et de manutentionnaire. D'une manière ou d'une autre, Carnby était de retour à la Nouvelle-Orléans, près des docks. Chercher l'adresse où se déroulait le spectacle de l'homme des locaux. Pas la carte. Chier.
Non, ça c'était... J'étais tout à l'heure. Par ici, on n'a pas exploré. J'arriverai jamais à déplacer ce truc à main nue. Mais si j'arrive à mettre cette grue en marche, ça devrait être possible. Ok. Une bonne machine à écrire. Je vais essayer d'activer cette grue. C'est fini. Charger. On devrait pouvoir passer. Recharger mon pistolet aussi à la même occasion. Non, je peux accéder en bas. Par ici, il n'y a rien. Oh, il y a une araignée. On doit obligatoirement passer de ce côté-là.
peu de santé. Oh, l'échelle. C'est vrai que je devais regarder un petit truc. Les amis, j'avais cru remarquer la première vidéo qui avait eu un problème de son. Je tenais dans mon escalier déjà. Et du coup, je voudrais aller faire. Ah, rien de spécial. Hein. Je pense que ça devait être un bug du. Bien. Je suis rentré dans l'entrepôt. Le bureau doit être à l'étage. Toujours pas accédé à la carte. Trompette. Être cassé, ok. De ce côté-là. Si on est l'arme. Et... Ah, une nouvelle pièce par ici. J'ai toujours voulu essayer un de ces trucs. Notre navire a été pillé alors qu'il était à quai. Nous sommes parvenus à récupérer toutes ses affaires, mais le sang a coulé.
en pôle. Notre navire a été pillé alors qu'il était à quai. Nous sommes parvenus. Ah oh bah ça je... Manifeste de cargaison, 19 septembre 1892. La compagnie maritime Prext Shipping Company a livré 4 malles de voyage, un sarcophage égyptien et une grande caisse en bois appartenant au forain appelé le Pharaon Noir, qui se produit sur Gallatin Street. Et voilà. L'adresse où Jérémy a rencontré l'homme ténébreux pour la première fois. Pour partir, j'ai rien à faire. Là, je pense. Allez voir ça. Un ennemi du feu, d'accord. Moi, je ressors par ici. Et vu complètement, on peut aller tout droit. On dirait que le brouillard s'est dissipé. Par là, je peux pas y aller. Par ici non plus. On va passer par là. Cette maison. Ah voilà. Cinématique. Vous voulez bien me dire de quoi il s'agit ? Bienvenue, détective. Au plus grand spectacle sur cette rive du Mississippi. Nyarlathotep, le pharaon noir. Le magicien ancien qui a vécu 1000 vies et porté 1000 masques. Je comprends pourquoi vous l'appelez l'homme ténébreux. C'est plus court.
Alors, vous avez eu peur d'un petit magicien, et là, il est en train de hanter votre esprit. Ok. Alors du coup... Comment sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé? Jérémy va être sauvé, quoi qu'il advienne. Il faut juste que je trouve ce temple, d'une manière ou d'une autre. Allez, gravure de... Que va-t-on découvrir de nouveau? Trouver un moyen de pénétrer dans le temple enseveli. 15 points. Marcher dans le désert. Et pour l'instant, rien de trop difficile. Le temple enseveli dans le désert. Je ferai bien d'y descendre. Il y a un passage. D'accord. Alors là, il y a une corde à récupérer. Ok. Là, il y a une malle. D'ailleurs, au-delà de la vallée du temple. Ici, encore une malle. Munition. Cartouche de mitraille. Je crois que c'est bon pour voir ce lieu. Là où il y avait le trou. Corde quelque part. L'air d'être ici. C'est parti. Alors, au calme.
Et c'est la constellation d'étoiles d'un des livres de Jérémie. Le tour. Un levier. Ah. Sale bête. Qu'est-ce qu'il y a de beau Paris ? Avance tout doucement, on ne sait jamais. De lentilles. Il manque quelque chose. Non. Activer ça quand même. Celui-ci semble opérationnel. Allô, peut-être. Ça a marché. Du coup, je peux aller par ici maintenant. Ça a marché.
malédiction. C'est quoi par ici? Non, ça c'est pas... Coffre, il n'y a rien dedans. Pareil. Des munitions. Munitions. Terminette. Belle arme. Rien d'autre. On doit pouvoir le casser. C'est comme de l'autre côté. Par ici. Pareil, pareil. Non, je... Regardez quelque chose. Ce que je joue. Quelque chose.
côté. Là-bas, c'est vrai que j'avais vu un passage. Qu'y a-t-il de beau par ici ? T'es obligé, il doit y avoir quelque chose. Là, je peux pas le bouger. Enfant d'un soleil noir. Ok. Pioche. Là, ici, on redescend.
Ça a marché. L'offre descend. Sorti de l'auberge. Bien, mais ça, je ne... Il faut que je retourne.
Bon bah, tant pis, hein. C'est vrai qu'ici... Il y a été... C'est-à-dire qu'il faut tout le chemin. On n'a pas fini. Un vrai labyrinthe là. Je pensais que j'étais sorti de l'auberge avec la maison, bah non. Sur la grosse tête, on dirait qu'il y a deux lumières actives. Ça reste là. Ça et quelque chose. Ah, je peux peut-être interagir avec ça là-bas. Par contre, je sais plus comment on fait pour accéder. Par ici, peut-être. Ah, je crois que c'est ça. Ah, voilà. Carrément en arrière. Je pense que j'ai trouvé. Il faut que je vais là-bas en face. Que je la mets sur le rayon du. Pas sûr. Hein. Ici, y a plus rien. Ah. Trouvé. On peut pas passer. On sait pas être passé par ici, mais ici. Ah voilà.
descendre. Il n'y a que ce passage de toute façon. Tout risque de s'écrouler, je crois. Quel périple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Oui. Voilà. C'est pour ça. Les amis, comme ténébreux. D'un code 113, des marquages en haut. Bref, action dans le docteur Gray découvre ce qu'il sait. Ah, on est retourné. Tous les cas, nous, on va se quitter là-dessus. Et on revient très prochainement pour le chapitre 4. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.